Et si le monde changeait complètement? Nous vous invitons continuellement à nous rejoindre dans une fréquence plus élevée, car nous savons que c'est ce que vous voulez en fin de compte, même si vous pensez vouloir autre chose. Vous pensez que vous voulez que les choses changent sur Terre, et si c'était le cas, et si tout changeait, mais que personne dans un corps humain n'était prêt à changer lui-même, vous finiriez par avoir les mêmes problèmes. C'est pourquoi vous changez au plus profond de vous-même est le seul moyen de changer la réalité extérieure, de rendre ces changements durables et de faire en sorte qu'ils correspondent à ce que vous voulez vraiment en tant qu'âme. L'ego n'aime pas les défis, parce qu'il veut simplement savoir que tout ira bien, qu'il sera en sécurité, à l'aise, qu'on s'occupera de lui, etc. Mais une âme a besoin de ces défis parce qu'elle sait que son voyage consiste à grandir et à évoluer, à s'étendre et à devenir davantage de l'énergie de la source à un niveau expérimental. Vous pouvez savoir que vous êtes un être d'énergie source, mais faire l'expérience de cette connaissance à travers quelque chose que vous faites, ou pensez, ou dites, ou mieux encore ressentez, est une expérience entièrement différente. Lorsque vous aidez quelqu'un d'autre, parce que vous reconnaissez qu'il est vous, c'est une expérience de l'énergie source. Lorsque vous aimez quelqu'un d'autre, en dépit du fait qu'il n'a rien fait pour mériter cet amour, c'est une expérience de l'énergie source. Lorsque vous écoutez quelqu'un, même si vous savez qu'il se plaint et perpétue la même réalité, et que vous lui dites quelque chose de gentil, quelque chose qui le soutient, c'est une expérience de l'énergie source. Lorsque vous ressentez l'unité avec tous, lorsque vous êtes dans cet état de conscience d'unité, c'est une expérience de l'énergie de la source. Et lorsque tout et tout le monde à l'extérieur de vous est soudainement différent, parce que quelqu'un ou un groupe est intervenu et a fait tous les changements pour vous, alors vous n'avez pas la possibilité de vivre les expériences que nous venons de décrire et bien d'autres encore. Vous voulez ces expériences, vous êtes venu pour ces expériences, vous êtes venu pour le mouvement, et ce n'est pas le mouvement d'un point A à un point B que vous êtes venu chercher, c'est le mouvement de votre âme, d'un niveau de conscience à un autre, d'un fonctionnement en tant qu'ego à un fonctionnement en tant que moi supérieur. C'est ce que vous vouliez et c'est ce que vous obtiendrez. C'est ce que vous obtenez et continuerez à obtenir. Et si vous saviez à quel point vous vous sentiriez bien si vous faisiez l'expérience de ce dont nous vous parlons dans votre corps en ce moment, alors, vous ne voudriez pas que tous les changements à l'extérieur de vous se produisent d'abord. Car même si ces changements vous rassureraient temporairement, vous ne feriez que créer de nouveaux défis, de nouveaux problèmes, de nouveaux obstacles. Alors, bénissez votre monde tel qu'il est aujourd'hui. Remerciez chaque expérience que vous vivez parce qu'elle vous donne toute l'occasion de ressentir quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Vous n'avez pas besoin d'être reconnaissant, car Dieu aime les sujets reconnaissants. Dieu n'est pas un roi et vous n'êtes pas des paysans. Vous co-créez tout cela avec la source, et la source grandit avec vous et grâce à vous. Et elle est reconnaissante pour vous et pour votre volonté d'aller au bout de la création. Et nous voulons que vous sachiez que vous pouvez aussi recevoir de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez recevoir de l'aide et vous recevez de l'aide. Et en demandant, vous créez en fait ce que vous demandez, donc tout va bien. Nous voulons que vous vous rappeliez à quel point vous êtes puissant et que vous sentiez cette puissance vous traverser, car c'est l'une des meilleures expériences que vous ayez à vivre sur la planète Terre. Nous sommes
le conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.